Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour les trois nouveautés Neozine by Mercan. On enchaîne tout de suite avec les présentations. Alors l'équipe, je vais pas vous faire trois vidéos, c'est-à-dire pour chaque trottinette, une vidéo pour chaque trottinette. Hein. On va faire un autre contenu, c'est-à-dire que ça sera une vidéo un peu longue. Je vous préviens tout de suite, mais je présenterai les trois trottinettes dans la même vidéo. Au moins, on aura les 3K de, les 3 prix, les 3K de trottinettes dans les, la gamme de petites trottinettes pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc l'équipe, ces trois trottinettes m'ont été envoyées par Patcom. Donc je tiens énormément à remercier Patcom. Ça fait plaisir parce que on sait malheureusement ce qui s'est passé pour eux. Ils ont eu un coup très très dur. Donc il avait posé un peu un genou au sol, mais il s'est relevé, tonton, hein, tu le sais, hein, bébé. Il est revenu dans le game. Du coup, il m'a dit, écoute, Kramtou, je t'envoie trois nouveautés parce que nous, maintenant, on veut viser les gens vraiment lambda, pas les gros professionnels de trotte, comme les grosses trottes et tout. Il m'a dit, nous, on veut vraiment se mettre dans la petite trotte pour les petits déplacements urbains, pour aller au travail le matin, etc., etc. Donc, on mise pas mal sur ce produit-là. Donc on t'envoie trois trottes, sauf que c'est trois nouveautés, en fait c'est deux nouveautés et une trotte qui est déjà connue, que j'avais dit non, c'est pas intéressant de la présenter, sauf que quand il m'a dit le prix, j'ai dit ah oui, là quand même, c'est trois trottes qui font en dessous de 1 000 euros, voire même une à 499 euros. Patcom, il repart sur les chapeaux de roue après ce coup dur et ça fait plaisir. Donc tout d'abord, un énorme merci à Patcom pour l'envoi des trois trottinettes et Green Rider, bien évidemment, parce que c'est Green Rider aussi. On enchaîne tout de suite avec les trois trottinettes, présentation, vite fait, hein, les unboxing, ça sera le même. Alors, je vais faire un unboxing parce que j'ai regardé les cartons à l'intérieur, c'est exactement les mêmes pour les trois. Donc, je vais vous faire le unboxing sur un. Vous saurez que c'est exactement pareil sur les deux autres au final. Hein. Et de suite, comme ça, on part en test et je vous dis ce que j'en pense de ces trois petites nouveautés. Allez, c'est parti. On enchaîne avec la première qui est déjà connue. C'est la Mercan Wide Wheel Pro. C'est pas la Wide Wheel normale, c'est la bimoteur. Donc c'est le modèle Pro. Donc qui était déjà connue hein, à l'époque. C'était la celle qui était jolie niveau design, qui avait des gros pneus à l'époque, il y a 3 ans en arrière, voire même 4 ans la première quand elle est sortie. C'était vraiment au début des trottes et quand ils avaient sorti ça, on avait tous dit « Waouh, le design comme il tue, pneus larges et tout ». C'était la première fois qu'on voyait des trottes en pneus durs extra larges. J'avais dit à Patcom, j'avais dit « Oh gros, mais la trotte elle a 4 ans, c'est pas une trotte qui a spécialement marché à l'époque et tout ». Ils m'ont dit « Bah écoute, fais comme tu veux, si tu veux tu la présentes pas ». Mais après quand il m'a dit le prix, j'ai dit « Ah, ça peut être intéressant ». Effectivement, parce qu'on est sur en dessous de 1000 euros pour une trotte en bimoteur. Je sais même pas qui c'est qui fait ça à 900 balles, tu vois. À 899 euros, je sais pas qui c'est qui a une trotte en bimoteur à proposer. Franchement, c'est tout le temps au-delà de 1000 euros. Enfin, bref, on enchaîne tout de suite. Donc, je vais la sortir. En fait, Neozine, maintenant, c'est Mercan. D'où les deux autres modèles que je vous présenterai, la Orno et la Zero, la plus petite. Donc là, l'équipe, on peut voir, on peut constater, comme d'habitude, toujours le même emballage. Hein.
comme sur, pratiquement sur toutes les trosses. Là déjà on voit qu'il y a des clés, donc on sait très bien à quoi s'attendre. Donc démarrage à clé, ça c'est pas mal. Ici on a trois caches, quatre caches, c'est pour les bras, c'est les caches des bras je pense, apparemment. On a une clé pour tout serrer. Ici on a le chargeur dans une boîte bien évidemment. Donc c'est comme les chargeurs de chez Mini Motors, avec la petite prise comme ceci. Donc c'est un 2 ampères-heure. Je la sors, je vous dis les stats de la trotte et c'est parti mon kiki. On est là pour les trois modèles. Là ça a l'air correctement emballé. Vous allez voir la largeur bien évidemment pour ceux qui connaissent pas le modèle. Voilà, regarde-moi ce monstre à l'arrière et à l'avant. Pour te dire, c'est la taille du pneu. C'est incroyable. On dirait les pneus de la Wiped en dur. Incroyable. Et voilà. Donc celle-là, on la connaissait à l'époque. Pas un nouveau modèle, celle-là. Mais justement, l'équipe, ça me permet... Au moins, ça me permet, pour ceux qui connaissaient cette marque, de vous dire que en fait, Neosine, donc pour la Zero et la Renault qui viennent de sortir, voilà, c'est quand même Mercan à la base, donc c'est quand même une marque qui est connue. C'est pas des nouveaux qui viennent d'arriver tout juste. Voilà, tout simplement. C'était pour vous, surtout pour vous montrer qui est à la base. Donc c'est Neosine by Mercan en fait. Ceux qui avaient sorti ce modèle-là en monomoteur à l'époque et après en bimoteur. Donc c'est pour vous donner une idée de qui est le fabricant. Donc ici en fait c'est un bras qui se lève, qui vient se visser comme ça. Donc là on a sur le deck un carton qui protège le deck. Voilà bébé. Des espèces de pneus. Ah non, c'est délirant. C'est... Donc ici, clac clac. C'est direct, hein, ça marche comme ça. Bon ben l'équipe. Nous voici la trotte montée. Hein. Franchement, le design, ben, comme à l'époque, franchement, c'est vrai que ces gros pneus larges, ça fait plaisir à voir. Le design est quand même joli, même si le deck est fin, vraiment fin à l'arrière et qui grossit à l'avant. Le design reste quand même vraiment correct, même que ça soit une trotte d'il y a 3 ans. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans en arrière, quand c'était sorti, tout le monde avait fait « Waouh !» avec le gros pneu comme ça à l'arrière et le petit feu de stop comme ça qui était vraiment joli. Donc ici, alors il y a quand même du montage, vous voyez, je parlais un peu trop vite, mais c'est juste des caches que tu visses. Donc on a la notice bien évidemment, une clé plate, le klaxon qui est à part, moi je le mets pas parce que bon, c'est ridicule ces klaxons là, je préfère limite ne pas en avoir. Et on a 4 clés Allen dans un petit sachet pour, si tu veux, resserrer les vis et surtout pour monter les 4 petits caches en plastique des bras. Voilà, tout simplement. Bon, voilà ce qui est pour de la trotte. Je vous dis tout de suite les specs de la trottinette et on part direct la tester. Donc, dimension l'équipe. Longueur, donc 1m10 de long, 1m10 de hauteur, 550 de largeur, donc 55 cm. Ensuite, poids 24 kg. Donc on est en dessous de la barre des 25. C'est un cadre en alu, donc châssis en alu, guidon en alu, elle est entièrement en aluminium. On a un moteur donc de 48 volts en 800 watts, donc deux fois 800 watts, soit 1600 watts, soit 1600 watts en tout. Batterie lithium 48 volts, 15 ampères-heure. Ensuite, temps de charge, 7 heures de 0 à 100%, donc c'est quand même, ça se recharge quand même rapidement. Speed, bien évidemment, elle est bridée à 25 d'origine. Et une fois débridée uniquement en terrain privé, 40 km/h. Autonomie annoncée à 60 km à 25 km/h, bien évidemment. Donc on sait très bien qu'en général, tu divises tout le temps par 2. Hein, maintenant, on a l'habitude. Donc si tu arrives à faire entre 25 et 30 bornes, voilà, tu sais à quoi t'attendre en réel, tu vas faire entre 25 et 30 bornes, maxi, selon ton poids, et si bien évidemment elle n'est pas débridée. Elle est capable de franchir des pentes de 15 degrés en monomoteur et jusqu'à 25 degrés en bimoteur, donc on verra ça, surtout dans la pente qui est en bas,
poids maximum 100 kg autorisé dessus, donc c'est pas énorme. Par contre, en général, c'est 120, voire pour les plus grosses, 150 kg. On a une lampe LED, hein, on a bien une lampe à l'avant LED, avec, tu appuies sur le bouton, ça éclaire la trottinette, enfin, ça éclaire la route, pardon. Un display pas en couleur, hein, noir, mais franchement, qui se voit au final. Bon, peut-être pas en plein soleil, ça, je sais pas, on est le matin, mais on a un display rétro-éclairé, tout simplement, display rétro-éclairé noir et blanc. Des pneus 8 pouces extra large, parce qu'on est sur du 6 pouces de largeur, on dirait carrément comme les pneus de Whipped ou de... C'est incroyable. C'est ce qui donne le charme à la trottinette, justement. Pour finir, suspension avant et arrière, donc système à cartouche, on dirait, en tout cas, qui a l'air bien plus souple que chez Mini Motor, ça c'est presque sûr. Et pour finir, l'équipe, son prix. Comme j'avais dit à Patcom quand il m'a envoyé, j'ai dit, mais c'est le modèle, il a 4 ans, enfin il a 3 ans celui-ci, parce qu'ils ont sorti en 4 ans le simple moteur, et il y a 3 ans le bimoteur, donc qui est celle-ci au final. Et j'ai dit, ouais, elle faisait presque 1003, je crois qu'elle faisait 1290 ou 1300 euros, donc on dépassait largement la barre des 1000 euros. Et quand tu me l'as envoyé, j'ai dit, ouais, mais frérot, tu es gentil, mais 1300 euros, elle est sortie déjà il y a 3 ans, bimoteur, j'ai dit, laisse tomber, je la présente pas. Mais c'est vrai que quand il m'a dit le prix, il m'a dit, non, mais mec, on l'a fait à 899 euros. J'ai dit, ah ouais, là, c'est autre chose. J'ai dit, là, c'est autre chose, parce qu'on est bien en dessous de la barre des 1000 euros, on est à 900 euros. Et effectivement, un bimoteur qui a une jolie gueule, à moins de 1000 euros, même si je sais qu'elle a quelques défauts, hein, au niveau de la colonne, ce qui paraît, elle a un freinage pas terrible, de toute façon, on va le voir ça vite fait ensemble. Je veux dire, on est quand même sur une trotte à 900 balles, qui est en bimoteur, en 48 volts, 15 ampères. Donc, bimoteur qui dit que ça a la patate, hein, quand même, comparé à une monomoteur. Donc, je me suis dit, là, c'est quand même intéressant, démarrage à clé. Je me suis dit, ah ouais, là, finalement, c'est bon, je te la présente. Parce que c'est vrai que ça peut intéresser ceux qui sont vraiment short en budget, qui cherchent une trotte un peu design, pas révolutionnaire parce qu'elle a 3 ans, donc un peu design, qui a un système de démarrage à clé, qui a des pneus extra larges, etc., avec quand même des amortisseurs du bimoteur. 900 euros, c'est vrai que là, d'un coup, ça fait quand même fort. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les specs de la machine. Et on part tout de suite, vite fait la tester. Je veux juste tester la montée parce que l'autonomie, on sait à quoi s'attendre. Moi, je parle pour un poids de 83 kg. Déjà, on va voir si ça monte déjà dans la montée. Oui, donc tu vois, c'est bien ce que je disais. La suspension n'a rien à voir. C'est quand même bien plus souple qu'une Dualtron ou autre. Est-ce qu'il faut la pousser? Ça a l'air relativement pêchu. Ouh, 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 ouh. Ah ouais, je suis déjà à 25. Ouais, ben allez, on part de suite en test. Hein. C'est parti. Donc l'équipe, je monte à bord du vaisseau. Par contre, le guidon est vachement bas. Et ça fait comme du Altron, quoi. Tu sais, les anciens modèles, là, qui avaient la colonne un peu basse, là, c'est pareil. Hein. Pour les grandes personnes, c'est un peu bas. Par contre, franchement, elle marche. Hein. Elle marche. Je suis déjà à 35 dans la montée. Ah ouais, je suis à 35 dans la montée, moi. Tenue de route, on sait très bien que les pneus durs, c'est pas topissime. Déjà, on va faire la vitesse de pointe d'entrée de jeu. Et puis, comme elle a les pneus un peu carrés, un peu comme les Whipped, ah ouais, elle monte vraiment 40. Je suis même à 42, un peu dans une petite. Ouais, elle monte à 40. Donc, 40, c'est validé. Ça, franchement, c'est largement suffisant. Surtout sur des pneus comme ça. Ouais, surtout sur des pneus comme ça qui sont en dur, hein, parce que tu n'auras jamais une tenue de route avec des pneus durs comme sur des pneus à chambre à air ou tubeless. Hein. Mais tu vois, par contre, ça me fait comme Whipped. Tu vois, quand je tourne, c'est bizarre. Hein. Tu la sens pas... Je pense que l'autre qui a les pneus ronds, qui a les mêmes pneus extra larges mais ronds, je pense que ça sera pas la même chose. Mais bon, on le savait. Par contre, les suspensions sont très agréables. Alors la mienne freine bien, bizarrement. J'ai pas de guidonnage non plus, malgré que ce soit des pneus carrés. Non, franchement, ça va. Il y a juste un petit temps d'adaptation, mais c'est vrai que moi, je suis pas... Tu vois, par contre,
quand ça tape, quand tu prends un trou, bon, c'est des pneus durs, tu vois. Heureusement, heureusement qu'ils ont fait des suspensions légèrement bien plus molles que sur une Dualtron, parce que sinon, ça serait un réel bout de bois, la trotte. Donc là, on fait vite fait, je vais vous montrer dans la montée, on va se faire vite fait là où les petites trottes ne montent pas, style justement les anciennes générations de Xiaomi, les Itu, tout ce qui est monomoteur, ça monte pas ici. Donc là, c'est une bimoteur, je sais très bien qu'elle va le monter. On va voir au niveau de la patate quand même. C'est parti, donc lui, il faut lui mettre une petite impulsion comme les autres. Allez, c'est parti. Ouais, donc en bimoteur, voilà, c'est ça qui est bien en bimoteur. C'est que c'est zéro problème, je suis déjà à 21 dans la montée, gros. Je suis au début de la montée, 26. Oui, donc une pente à plus de 20%, les montalaises. Je suis à 30 en haut de la montée. Ben, c'est du bimoteur. Hein. C'est du bimoteur. Regarde, je suis déjà à 35 en haut de la montée. Et voilà, je suis déjà à 40 sur le plat. Ouais, donc c'est ça. Elle marche 40 km/h sur du plat. Ce qui est largement suffisant pour une trotte de cette petite gamme-là. Là. Pour des petites trottes, c'est largement suffisant. Hein. Bon, on est sur des freins à disque mécanique, hein, pas hydraulique, bien évidemment. Moi, la mienne freine bien. Alors moi, on m'avait dit que ça avait des mauvais freins à l'époque, là, où mes collègues l'avaient. Mais celle-là, je trouve qu'elle freine bien. Alors, est-ce qu'ils ont retravaillé les freins? Je sais pas, mais je pense pas. Je pense que je suis tombé sur un modèle qui freine bien. Voilà, moi, ce qui me choque plus, c'est... Tu vois, c'est ces pneus larges en dur... C'est clair que c'est vachement design, c'est vachement joli. Hein. Mais voilà, tu vois, ça te donne un léger louvoiement quand tu accélères et que tu désaccélères. Parce que c'est des pneus carrés, tu vois. Et quand tu commences à pencher, ça te fait une drôle de sensation. Après, c'est une habitude. Hein. C'est pas une critique, c'est une habitude. Mais c'est vrai que c'est un peu choquant au début, comme ça, quand tu as l'habitude des pneus bien ronds. Bon, tu montes sur des pneus comme ça, carrés... Ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Attends, je lève. Il y a des rochers au milieu de la route, frère. Laisse tomber. Elle a un rayon de braquage, par contre, qui n'est pas du tout top. Hein, regarde. Là, je suis à fond. Mais bon, c'est pas non plus catastrophique. Tu vois, le fait que moi, je sois un peu grand, enfin 1m80, et que la trotte, si tu veux, le guidon, il est bas. Tout à l'heure, quand j'ai freiné, carrément, tu vois, elle part de l'avant, tu vois carrément la trotte, mais elle freine bien par contre. Donc il faudra doser pas trop fort sur l'avant et plutôt bien fort sur l'arrière. Voilà l'équipe. Hein. Sinon, franchement, elle est légère en main. Hein. C'est clair que c'est ultra léger. 24 kg, c'est de la rigolade. Hein. C'est. Ouais. Mais tu vois, c'est pas un truc où j'irai à fond dans un virage, malgré à cause de ces pneus durs. C'est pas un truc où j'irai à fond dans les virages, tu vois. Tu sens que ça reste quand même moins sécure, tu te sens moins en sécurité que des pneus qui vont tenir la route, hein, c'est sûr. Après voilà, à voir, malheureusement je ne peux pas vous dire, parce que moi je ne l'ai pas possédé cette trotte à l'époque. Je sais qu'il y avait quelques soucis, comme la colonne un peu qui se desserrait, qu'il fallait souvent resserrer. Je ne sais plus c'était quoi les problèmes majeurs de la trotte, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais par rapport au tarot à l'époque, c'est clair que voilà. Là, tu es quand même à une trotte à 900 balles, ça n'a rien à voir. Malgré le guidon, je trouve un peu bas pour les personnes grandes. Je pense que ça conviendrait plus à des personnes petites ou alors une femme, tu vois. À une femme, là, à mon avis, une femme qui fait dans les 50 kilos, oui, ça doit arracher tout. Mais bon, est-ce qu'elle ne sera pas choquée au niveau des pneus carrés, quoi, tu vois. Que l'autre que je vais vous montrer, la Néosine, là, c'est les mêmes pneus, mais ronds. Tu vois, et là, je pense que ça va pas être la même au niveau de la sensation dans le guidon. Parce que là, tu te sens tiré, en fait, des fois, quand tu accélères et que tu tournes légèrement. En fait, c'est pas un louvoiement, tu te sens un peu tiré. Tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'il soit pas rond, ça fait bizarre. Mais sinon, à part ça, moi, je l'aime bien. Elle est jolie, elle marche bien. Voilà, 40 km/h en vitesse de pointe, c'est pas mal. Voilà, l'équipe, on se retrouve pour le débrief et j'enchaîne avec les autres. L'équipe. Nous voici sur le modèle Orno Max de Néosine. Donc là, on voit totalement la différence avec la Wide Wheel. On voit totalement la différence et l'évolution. Ça fait vraiment beaucoup plus futuriste, je trouve.
et ça fait un peu trotte robot, tu as vu, les gros trucs comme ça, rétro-éclairés, avec des pneus, mais monstrueux, la largeur, elle est incroyable, la largeur des pneus. Le fait qu'elle soit blanche aussi, et le deck en goutte d'eau, tu sais, ça fait des vagues comme une goutte d'eau, marqué Orno. Franchement, je la trouve trop chelou, en fait. On dirait un jouet, on dirait un robot, et en même temps, elle fait super futuriste, tu vois. Et ils ont même changé le compteur, c'est pratiquement le même que sur la Magwheel, mais en couleur. Donc c'est les mêmes fonctions, les mêmes trucs, mais en couleur. Donc je vous dis de suite les stats, et on va tester ça, parce que là, c'est quand même des pneus monstrueux larges, mais ronds. Et je pense que ça va être beaucoup plus agréable que les pneus carrés. Donc celle-ci, l'équipe, la Orno Max, dimension 1m10 de hauteur par 1m22 de long. Donc elle fait 122 cm de longueur. Donc 49 cm de la largeur du guidon, qui n'est pas pliable comparé à la Magwheel. 25 kg, ce qui reste dans la limite du raisonnable, de transportable dans les petites trottes. Cadre en aluminium, bien évidemment, la trotte est entièrement en aluminium. Moteur 48 volts, 900 watts en single, et le moteur est à l'avant. 10 moteurs de 900 watts en single, soit 1800 watts en bimoteur. Batterie 48 volts, 13,5 ampères-heure. Temps de charge 7 heures aussi, comme la Winewheel Pro. Speed max, exactement pareil que la Winewheel, on est sur du 40 km/h. Bien évidemment, sur chemin privé, sinon elle est bridée à 25 d'origine. Range, ils annoncent 40 km. Autonomie 40 km. On sait très bien que tu divises par deux en roulant à 25, bien évidemment. Donc tu vas faire une 20 bornes, tu vas faire environ, parce que là tu vois c'était une 15 ampères bimoteur, là tu es sur du 13,5, donc c'est bien ça. Là tu vas faire entre 20 et 25, celle-là tu vas faire 20 max, voilà. Donc ça n'a pas une grosse autonomie non plus, hein. Ça reste petit, mais ça reste quand même convenable. Tu fais entre 15 et 20 bornes, tu peux faire quand même un petit parcours, on va dire. Capable de franchir des pentes en monomoteur, donc 15% jusqu'à 25% maximum en bimoteur. Donc pareil, on va faire le test dans la petite montée là-bas. Poids maximum autorisé sur la trotte, c'est 100 kg aussi. On est sur des pneus, alors là attention, c'est pas du 8 pouces, c'est du 9 pouces extra large. Pareil, sur 6 pouces de largeur, c'est incroyable. Ils sont vraiment monstrueux et je préfère bien le design de ceux-là. Qui font plus typé route sport que l'autre avec les pneus carrés, donc ça c'est cool. Ensuite pareil, lampe LED, suspension avant, double suspension à l'avant, mais par contre pas de suspension à l'arrière, ça il faut le signaler, et c'est du pneu plein, donc j'attends de voir pendant le test si c'est un peu rude ou pas. Alors on a un frein à tambour arrière, hein, et il n'y a pas de freinage à l'avant, c'est le frein moteur à l'avant. Comparé à l'autre, on est sur un compteur rétro-éclairé, par contre en couleur et non en noir et blanc. Donc ça fait un peu une évolution aussi du compteur. Pour finir, bien évidemment, le prix. Donc recharge de 7 heures, hein, de 0 à 100%. Et le prix, on est à 799 euros. Je vous ai tout dit. On parle essayer vite fait parce que ça me plaît quand c'est un peu futuriste et tout. On va voir un peu ce que ça donne dans la montée et si on est à l'aise sur la route. Et voilà l'équipe. C'est parti. Donc là, on se retrouve à bord du petit vaisseau. Délirant. En tout cas, le compteur, même au soleil, tu le vois. Donc déjà, quand je monte dessus, tu sens que l'avant est amorti. Hein, bien évidemment, ça bouge bien. Par contre, l'arrière, voilà, ben c'est, y a pas d'amortisseur, hein, à l'arrière. Donc à voir ce que ça donne. Là, j'accélère. Ah, par contre, tu vois, elle est plus agréable à rouler. Ah ouais, tu vois, les pneus ronds, d'un coup, ça change tout. Ah, je suis bien plus à l'aise. Par contre, elle est bridée à 23. Elle est bridée à 23. 12, 15, 17, 18, 19, 20. Par contre, elle est molle, hein. 26, 27. Ouais, donc là, ça y est, je l'ai débridé. Alors, je sais pas si je suis en mono ou en bi, mais ça a la puissance d'une mono. Par contre, effectivement, elle marche à 40 km/h.
Ah ouais. Tiens, et les pneus, ils ont rien à voir. Ça a rien à voir, regarde. À 40V, je la jette, je suis hyper à l'aise. Comparé à l'autre. Ouais, elle freine relativement bien. C'est pas non plus affolant parce que c'est un monofrein. Mais c'est vrai qu'elle est bien freinée par le moteur. Ça reste correct, mais c'est un peu light au niveau du freinage. Hein. Alors, par contre, elle a beaucoup moins de pêche, je trouve, que la... Je vais regarder si elle est en mono ou pas, parce que ça, franchement, ça m'étonne. Ah, voilà. Tu vois, j'ai qu'un... Équipe. Après avoir bien regardé, j'ai démonté l'arrière, là. En fait, il y a deux modèles, je me suis trompé. Il y a deux modèles, ils se sont trompés aussi. Ils pensaient que c'était la bimoteur, c'est la monomoteur. C'est pour ça que je trouvais qu'elle avait beaucoup moins de pêche que la Wildwheel qui est là. Parce que effectivement, celle-ci est en monomoteur. Alors la monomoteur va faire 799€ et la bimoteur fera 899€, c'est-à-dire exactement le même tarif que la Wildwheel Pro. Voilà. En fait, c'est une Wildwheel Pro améliorée pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont mis des pneus ronds, ils ont mis un compteur couleur à la place de noir et blanc. Alors des pneus, je trouve que la sensation de glisse est bien meilleure en tout cas. Le poids est encore plus bas que la Wildwheel. Donc c'est clair qu'en termes, elle est vraiment à ras du sol la trottinette. Donc c'est clair qu'en termes de tenue de route, elle n'a rien à voir avec la Wildwheel, surtout avec ses pneus ronds extra larges. Et pas carré. Par contre là c'est la monomoteur, donc tu vois la pêche, c'est pas ouf du tout. C'est pas ouf du tout. Par contre, bizarrement, elle monte à 40 km/h, pas en montée bien évidemment, hein, sur du plat en légère descente, mais elle arrive à atteindre les 40 km/h et 30 dans la montée quoi. Dans une petite montée, tu vois, tu te trimbales à 30 sur la monomoteur. Donc là tu as effectivement, ça absorbe les chocs à l'avant, tu le sens. Mais à l'arrière, c'est bien ça, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Donc au niveau de l'arrière, c'est clair que c'est un bout de bois. Faut dire ce qui est, c'est un bout de bois, ça va être son défaut principal. Par contre, je suis bien plus à l'aise au niveau de la tenue de route. Oh, qu'est-ce qu'elle est légère en main. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Tu atteins quand même les 40. Alors on va voir si en monomoteur, parce que c'est quand même un moteur de 900 watts comparé à 800 watts sur l'autre, sur la Wildwheel Pro. Donc on va voir quand même si elle arrive à monter ou pas, tu vois, en monomoteur. C'est quand même une sacrée montée. Hein. Eh ben écoute, sans l'aider, elle monte. Mais alors, elle galère. Hein. 8, 9, 10, ah ouais, 11. Oula, elle peine dure. Hein. Tu vois, mais bon, pour une monomoteur, elle monte quand même. Hein. Elle monte une pente à plus de 20 degrés. Hein. Ouais, je suis à 12, presque en haut. Ouais, ouais, peine, 12, je suis à 12 à fond, mais vraiment à fond, quoi. Voilà, et là, j'arrive vers le sommet, donc elle se relance, la pente est moins... Tu as vu, j'ai déjà perdu 2 bars. Par contre, l'autonomie, à mon avis, en bimoteur, si tu fais les 10 bornes... Voilà, et là ça repart à fond, sur du plat, on est déjà à 30, 32. Là on attaque une légère descente, 38, wouhou, 40. Voilà, elle bloque à 40 aussi, elle a récupéré 2 barres. Ouais, par contre tu vois là, je suis bien plus à l'aise là-dessus par contre que sur l'autre. Hein. Ouais, je suis bien plus à l'aise. Par contre, voilà, qu'un seul frein, ça c'est dommage aussi. Elle a qu'un seul frein, avant, arrière à tambour. Mais qui est bien quand même couplé au moteur. Ça, voilà, franchement, c'est pas mal quand même. C'est pas mal au niveau du freinage couplé au moteur. J'aurais bien aimé tester la bimoteur, parce que je pense que, oui, la bimoteur, ça va être vraiment la Wildwheel Pro, mais améliorée, pour moi, pour ma part. Je suis presque sûr. Donc si jamais ça vous intéresse, je me ferai envoyer la bimoteur et je vous ferai le test. C'est chelou en même temps, elle est chelou, elle est vraiment bizarre parce qu'elle est énorme. Le cadre est fin, si tu veux, le deck est fin et les roues sont monstrueuses. Mais ça fait un style quand même, ça fait un style très futuriste.
Donc voilà, par contre, ouais, ben, je préfère la conduite de celle-là. Et j'ai le guidon même un peu plus haut que l'autre. Je préfère le style de conduite de celle-ci, malgré qu'elle n'a pas d'amortisseur à l'arrière. Par contre, ça me dérange. Et que l'autre, elle a l'amortisseur à l'arrière. Mais bon, 799 pour une monomoteur et 899 qu'on est exactement au même prix pour la bimoteur. Je pense qu'elle vaut plus le coup, elle, au final, que la Wild Wheel. Mais bon, on verra ça dans le débrief. Allez, eh ben, c'est parti pour l'autre. On va vous dire ça. Donc, pour ma part, si tu fais 15 bornes, c'est déjà vraiment pas mal avec ça. Voilà l'équipe. Alors, je préfère ce système aussi de serrage que l'autre. Parce que tu sens que c'est mieux quand même. Ouais, c'est, en fait, c'est une Wild Wheel Pro améliorée. Hein, avec un compteur couleur. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on enchaîne avec la dernière, la toute petite Toon, la Zero. Bon, l'équipe, et voici la dernière, la toute petite de chez Neosine, la Zero. Donc, je l'ai montée, c'est comme l'autre, c'est comme les trois. Tu as 6 vis à chaque fois au niveau du guidon à monter, sauf sur la Mercane, sauf sur la Wild Wheel, pardon. Et c'est terminé, c'est monté. Donc, le montage est très très rapide. On a les mêmes touches de rouge que sur le gros modèle, la Orno. Franchement, par contre, l'équipe, regardez, c'est la plus petite Toon. Certes, c'est une batterie 36 volts, 10 ampères. C'est très petit, mais elle a un châssis moitié alu, moitié magnésium. Donc, je t'explique. Regarde ça. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Une légèreté, alors là, pour les petites femmes menues ou les mecs qui n'ont vraiment pas envie de porter, d'avoir un poids plume dans les mains, elle est hallucinante au niveau du poids, hein. Elle est hallucinante. Alors j'aime bien, elle a exactement le même système de pliage de la colonne, et la sécurisation, donc il n'y a pas de jeu dans ce système, j'aime bien. Je préfère par rapport à la Wild Wheel où c'était juste une molette, là il y a quand même un clip aussi qui vient bien sécuriser la fermeture. Je la trouve vachement design, ultra fine, mais vraiment minimaliste. Tu sais, la trottinette, truc de fou. Donc la prise secteur ici, en plein milieu du cadre. Je vous dis les stats et on part de suite l'essayer vite fait dans la montée parce que là, j'ai quand même des doutes en 36 volts. Mais bon, on va voir, on ne sait jamais. Vu qu'elle est ultra légère, on ne sait jamais. Et attention, il est à 499 €. C'est pour ça aussi, vu le tarot, ça a l'air quand même pas mal, surtout que c'est un mélange de magnésium et d'alu. Dimension de la trotte, 1m08 pour 1m14 de long et 490, toujours pareil, c'est la largeur du guidon. Le poids de la trotte, l'équipe, 15 kg. Elle fait 15 kg, gros. C'est incroyable. Moteur 36 volts de 600 watts avec une batterie de 10 ampères. Charge 4 heures de 0 à 100%, en 4 heures on la recharge. Donc elle est bridée d'origine à 25 et elle est capable sur chemin privé de la débrider et de rouler à 35 km/h. Franchement, pour une trotte de 15 kg, ça doit être vraiment pas mal pour une trotte de 15 kg de pouvoir rouler à 35 km/h. J'attends de voir ça, si ça le fait. Poids max, comme d'habitude, 100 kg, comme sur les deux autres, pardon. Donc elle est donnée pour 30 km à 25 en autonomie, on sait très bien, tu divises par deux minimum, c'est que ça, elle fera 15 km maxi, si tu es un poids léger je pense. Je pense qu'un mec comme moi tu dois faire 10 bornes à tout casser, mais bon, c'est ultra léger, donc c'est ultra facile, tu vois, pour les petits déplacements, centre-ville, boulot, tu vois que tu arrives en voiture, tu te jettes, tu vas chercher le pain. Pareil que les deux autres, lampe à LED, rétro-éclairée, sur le compteur, tu appuies, tu vois très bien que la lampe est fonctionnelle et ça allume aussi en rouge tout le châssis. Pneu en 8 pouces, par contre, pas extra large, hein. Pneu en 8 pouces simple, donc c'est, je crois, du 2,5 en largeur, 2 pouces et demi, ça n'a rien à voir avec les autres qui sont, ils font 3 fois la dimension de ceux-là, donc ça reste des petits pneus fins. Petits pneus en dur aussi, mais par contre, la gomme est très très souple. Amortisseur à l'avant, l'équipe, comme sur la Orno, c'est le même système, double amortisseur à l'avant et malheureusement pas d'amortisseur non plus à l'arrière. Par contre, ils ont l'air bien plus épais, les boudins en caoutchouc, et beaucoup plus mou. Ça, je viens de le voir aussi. Donc un seul frein à l'arrière à tambour, moteur à l'avant, donc là c'est une traction, c'est pas une propulsion.
Et donc tu auras un freinage moteur à coupler au freinage tambour à l'arrière, voir ce que donne aussi le freinage, hein, bien évidemment. Et voilà, je vous ai tout dit en ce qui concerne les stats de la trotte. Donc elles sont toutes, j'ai oublié de vous dire aussi, elles sont toutes IP65, hein, donc bien évidemment pas entièrement étanches à la pluie, etc. Le compteur, tous les compteurs sont étanches à la pluie, il n'y a pas de souci. Mais on sait très bien, bon, si tu vas dans la petite pluie, en fait c'est comme les Dualtron, etc., etc., hein, les Zero, etc. C'est toujours pareil, les V7 et tout, c'est IP65. Donc il n'y a pas encore la norme vraiment étanche, comme certaines trottes de chez Segway. Ou... C'est quand même encore assez rare d'avoir des trottes étanches de nos jours, ce qui est quand même malheureux. Bon, à Marseille, dans le sud, il pleut très rarement, donc on s'en fout. Mais pour nos amis vers Paris ou les nordistes, c'est clair que, bon... C'est quand même emmerdant, ça. J'arrive à les comprendre. Le tarif 499 €. Donc là, on est vraiment sur les tout petits budgets et sur les petits déplacements. On va voir en tout cas ensemble si elle fait le taf. Et voilà l'équipe. Encore merci à Patcom et c'est parti. C'est parti l'équipe. Donc déjà, je vais monter dessus là. Alors, je la démarre. Donc déjà, il va falloir pousser. Ah ouais, c'est délirant. Ça part vraiment smooth par contre, l'équipe. Mais ça a l'air de marcher. Hein. Ouais, je suis déjà à 25. Bon. Donc l'équipe, on monte à bord du mini vaisseau. Allez, c'est parti. Donc ouais, ça part très très smooth. Par contre, on dirait que tu n'as rien dans les mains, quoi. Mon Dieu, que c'est léger et fin. Une plume. Ben, je suis à 25 déjà, 27, 26, 27 dans la petite montée. Ouais, c'est pas ouf en nervosité, ben, c'est un tout petit moteur, hein, tu me diras. Mais c'est vrai que si tu fais du plat, regarde, même d'une main par contre, elle se conduit. Hein. Elle est... Ah ouais, c'est vraiment un poids léger, quoi. Un poids plume de chez plume. Hein. Ah, tu vois, par contre, les pneus, ils sont bien mous. Mais bon, par contre, quand tu prends des pierres ou des trous, tu le sens passer à l'arrière. Donc, pas d'amortisseur à l'arrière. Ouais, par contre, elle freine bien. Couplé au frein moteur, ça freine bien. Pour du tambour. Hein. Alors là, j'ai des gros doutes, l'équipe. Là, ils viennent. Là, ça va être vraiment. Je pense qu'elle va plus que souffrir, voire peut-être même pas monter comme les Xiaomi. On va voir. Allez, 1, 2, 3, je la pousse. Oula. Mais elle monte, frère. En fait, elle doit être tellement légère, 14 kg. Ouais, bon, je suis à 8. Oh là là, je suis à 8. 8, 9, sachant qu'il doit un peu arracher le compteur. Là, je dois être à 5 km/h. Ouais, bon, la montée. Franchement, regarde, je ne l'ai pas aidé. Hein. Je ne l'ai pas aidé, regarde. Elle monte. Mais alors, elle monte comme un escargot, hein, gros. Alors, si c'est pour faire des grosses montées comme ça et que tu pèses 83 kg, ouais, laisse tomber. Si maintenant, tu as un terrain relativement plat, malgré que tu fasses 80 kg ou plus de 80 kg, franchement, ça le fait. Normalement, ça, je suis à 10 en haut de la montée. Compteur, hein, compteur, les gars. Pas en réel, en plus. Et là, ça y est, elle commence doucement à se lancer, 14, 15... Mais bon, franchement, elle est quand même montée, hein, comme la E2 Booster G, là, celle que j'avais, qui était un peu plus puissante. Pas la G, la XL, là, je sais pas quoi. Là, tu vois, 25 sur du plat, 27, 28. Là, on attaque la légère descente, 35. Ah ouais, 35, c'est ça, hein, mon 35, 36 compteur, 37. Dans la descente, donc 35 sur du plat. Ouais, là, tu vois, là, c'est correct. 35, franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, j'ai le guidon très bas, moi, là. J'ai vraiment les bras tendus à mort. Alors là, tu peux même pas dire que tu sens quelque chose dans les mains. Elle est silencieuse. 35, ouais, elle marche à 35 sur du plat. Hein. Franchement, débridé, c'est pas mal. Hein. Pour une mini trotte comme ça, débridé, c'est pas mal. Par contre, voilà, au lancement, c'est vraiment très très smooth. Alors, pour un petit gabarit, je pense, comme une femme ou quoi, qui fait 50 kg, c'est sûr, elle ressentira automatiquement plus de patates. Par contre, elle va se régaler à la transporter parce que 14 kg, c'est vraiment... C'est une planche, le truc. Hein.
Bon, pas d'amortisseur à l'arrière, dommage, vraiment dommage. L'avant, il fait le taf, mais bon, il est quand même plus dur que sur la Orno, je trouve. Ouais, voilà, bon, dans les petites montées très légères, voilà, tu tapes du 27-28 à fond. Au moins, même débridé, sur des petites montées, tu restes dans la légalité, quoi. Ça va être vraiment, vraiment une trotte d'appoint. Par contre, elle est stable et tout, hein. Elle est stable. Ouais, elle guidonne pas rien. À 35, elle guidonne pas. Hein. Bon, par contre, à 35, je lève pas la main, tu vois. J'ai les deux mains dessus. Ouais, bon, c'est vraiment la petite toune de chez Petit Toune. Hein. 499 € avec une 36 volts et 10 ampères-heure. Tu vas pas aller loin, hein, au niveau autonomie, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. Mais bon, sinon c'est correct, hein. Malgré mes grands pieds, le deck est vraiment étroit. Après, comme je dis, je pense que ça va être vraiment ciblé les femmes, tu vois. Les femmes, et pas dans les gros gabarits, dans les petits gabarits, tu vois. Par contre, oh, la légèreté de la trotte, elle est incroyable. Tu n'as rien dans les mains, quoi. Mais tu te demandes où elle est, la batterie, tellement c'est léger, c'est incroyable aussi. Est-ce que c'est le magnésium ou pas qui fait ça, mais c'est incroyable. Incroyable. L'équipe, on se retrouve pour le débrief. J'ai fini le test, je vous ai dit, donc n'espérez pas grande autonomie là-dessus. Mais enfin bref, on se retrouve pour le débrief. Bon ben l'équipe, comme d'habitude, nous voici venus l'heure du débrief. Donc quoi vous dire sur ces trois trottinettes, la toute petite Toune, la moyenne mais toujours dans les petites gammes, et la dernière nouveauté de Neosine. Donc déjà on va commencer par la petite Toune, la dernière que j'ai testée. Celle-là, je vous le dis tout de suite. Pour les personnes comme moi, qui sont, je veux dire, habituées à la trotte, qui font un certain poids, qui sont grands, etc. Mis à part si tu as un budget vraiment ridicule à mettre dans la trottinette, à la limiter encore. Mais par contre, elle a carrément sa place, vu sa légèreté, son petit prix. C'est loin d'être un foudre de guerre, tu auras loin d'avoir de l'autonomie, mais ça va tout à fait convenir aux nanas, quoi, faut le dire, aux nanas, aux petites femmes ou quoi, qui ont l'habitude de se garer à proximité du boulot, on va dire, ou pas très loin pour éviter les bouchons, etc., et qui te sortent ça du coffre comme une plume, et qui va aller à son travail, ou le week-end aller acheter son pain, son truc ou ses croissants, enfin bref, tu as compris l'utilité de cette trotte-là. Par rapport à sa légèreté et que c'est vraiment pour les tout petits trajets, elle aura sa place dans cette catégorie-là d'utilisateurs. Voilà, et d'utilisateurs lambda pas confirmés aussi. Après, voilà, une trotte comme ça pour moi, non, tu vois. Même ça, limite, pour moi, non. Moi, j'ai l'habitude des grosses trottes, des trucs qui marchent fort. Cadre de l'autonomie, parce que j'ai quand même une utilisation certaine, même du off-road, capable de faire du off-road, donc on est encore dans autre chose. Voilà, elle a quand même sa place pour les tout petits budgets serrés et pour ceux qui veulent vraiment un truc portatif au maximum, très léger, et qui va faire très peu de kilomètres avec. Voilà. Ensuite, on va passer sur la Wild Wheel Pro, qui est donc le dernier modèle à l'époque de chez Wild Wheel, de chez Narcan. Donc celle-ci, à la base, elle avait fait un carton au niveau esthétisme, mais après il y avait eu pas mal de retours sur un peu, d'ailleurs ils ont rien changé là pour l'instant, mais il arrive un nouveau modèle avec batterie déconnectable qu'ils vont m'envoyer, et celle-ci aussi avec le bimoteur qu'ils se sont trompés, ils m'ont envoyé un monomoteur, mais bon bref, on va finir sur celle-ci. Donc il va avoir une amélioration apparemment là-dessus et une batterie déconnectable. Maintenant, à ce prix-là, parce que elle reste quand même jolie au niveau du design, malgré ses quelques inconvénients comme la colonne que je vous ai expliqué, un freinage pas très mortel par rapport aux autres utilisateurs que j'avais eu à l'époque, moi celle-ci, ce modèle-là freine bien par contre, va savoir pourquoi. Mais suspension souple, et je crois qu'après ça prenait aussi du jeu dans les suspensions, il me semble, si mon souvenir est bon. Après on a l'ancien compteur blanc et noir, bon ceux qui s'en foutent, ils s'en foutent. Mais je veux dire, à 1200 ou 1300 elle était à l'époque, j'aurais dit non. Mais là on est quand même à 900 €, 899 €, tu as quand même une bimoteur qui marche
à 40 km/h, voire un peu plus. Voilà, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est en dessous de la barre de 1000 euros. Enfin, c'est 900 balles, c'est même pas 1000 euros en dessous de la barre, c'est à 900 euros. Tu as quand même une bimoteur avec du 15 ampères en 48 volts. Bon, c'est pas la folie non plus, hein. 15 ampères, tu vas pas faire 50 bornes. Hein. Mais ce que je veux te dire, tu as frein à disque avant et arrière aussi mécanique. Voilà, après tu as le guidon vachement bas. Ses défauts, en fait, ça va être un modèle qui commence à se faire vieux, même si à l'époque on avait halluciné sur les pneus extra larges et tout. Elle garde quand même un joli design, faut dire ce qu'il y a. Elle garde quand même une jolie gueule. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc elle a un vieux compteur monochrome, je crois que ça s'appelle, quand c'est pas en couleur. Enfin bref. Elle a quand même deux suspensions, avant et arrière, donc ça c'est ses qualités. Ils ont toutes un contacteur à clé, ça aussi c'est pas mal, tu vois, c'est une sécurité supplémentaire aussi. Et pour démarrer, c'est plus pratique aussi. Tu n'es pas là à chercher le bouton ou quoi, tu allumes, claque et tu pars. Son défaut, ça serait pour moi, un guidon trop bas. Après, j'ai juste fait le test avec. Je pourrais pas vous dire, malheureusement, même sur les trois, parce que c'est deux nouveautés, les trois, hein, qu'on n'a pas assez encore de retour. Avoir dans le temps leur fiabilité, hein, surtout sur les nouveaux modèles. Celle-là, on a déjà eu la fiabilité au niveau des contrôleurs et tout. Il n'y avait pas de souci apparemment. Elle tenait quand même au niveau des moteurs, elle était quand même pas mal. Comme je disais, à 1002, je t'aurais dit non direct, surtout que c'est un vieux modèle. Maintenant, à 900 euros, pourquoi pas? C'est une bimoteur, voilà, comparé à la concurrence qui sont plus dans les 1002-1003, par exemple chez Dualtron Mini, etc. Bon, là, tu n'auras pas de souci de crevaison, parce que c'est des pneus pleins. Par contre, voilà, tenue de route, moi, j'aime pas, là-dessus. Pneus carrés, c'est beaucoup moins stable que celle-ci avec les pneus ronds, qui est améliorée, d'ailleurs. Voilà, ses principaux défauts, moi, c'est ça, c'est le guidon trop bas. Et j'aime pas trop style la tenue de route et les pneus pleins dessus. Voilà, ça, c'est son principal défaut. Après, à 900 euros, je dirais... Si vous avez un budget très restreint et que vous voulez absolument un bimoteur, pourquoi pas. Et ensuite, on passe sur la dernière et la nouveauté. En fait, c'est ça, mais amélioré. Hein, avec, on retrouve le même compteur plus allongé, par contre en couleur, beaucoup plus lisible aussi. Hein, beaucoup plus lisible, il faut dire ce qu'il y a. Elle est plus haute au niveau du guidon. Alors là, j'aime beaucoup plus la stabilité de la Ornomax. Parce que franchement, entre nous, malgré que ce soit celle-là, la monomoteur, mais je sais très bien ce que ça va donner en bimoteur. Ça va être exactement pareil que la Wag Wheel, voire un petit peu plus de pêche, parce que c'est des moteurs de 900 watts contre 800 watts. Donc c'est vraiment une évolution de ce modèle-là. Par contre, tenue de route, tu la jettes aisément, tu la sens pas, elle est légère en main. Ils ont fait des pneus extra larges, comme c'est la même largeur que celle-ci, sauf qu'ils sont arrondis, et franchement, la structure... Elle est un peu plus molle, je préfère largement. Un amortisseur avant, franchement, qui fait le taf. Par contre, voilà, son gros défaut pour moi, c'est pas d'amortisseur arrière. On est quand même sur du pneu plein. Je peux te dire que quand tu prends des pierres, ou des trous, ou des bosses, faut avoir quand même un dos costaud. Hein. Donc, à voir si plus tard, ils arrivent à faire un amortisseur, je pense que ça changerait tout à l'arrière. Sinon, je préfère quand même la Orno à la Wide Wheel, malgré que la Wide Wheel, elle a quand même un amortisseur avant et arrière. Je la trouve, on dirait un robot, on dirait même pas une trotte. Elle fait futuriste, elle fait jouer en même temps, mais en même temps, elle est bien finie quand même. Tu vois, les plastiques, il n'y a rien qui tremble, il n'y a rien qui bouge. Je la trouve pas si dégueu que ça, tu vois. Et moi, ce que j'adore de plus, c'est vraiment ces pneus larges. Hein. C'est vraiment, j'adore, bien arrondi, tout comme j'aime. Les petits decks avec la goutte d'eau, ça fait vachement bien fini, j'aime bien. Pour moi, ça casse pas des briques non plus, mais par contre, elle est à 790 euros, 99 euros pour la monomoteur. En bimoteur, elle est à 900 euros, donc exactement le même prix que celle-ci. D'ailleurs, c'est ce que je vous dis, je pense qu'en puissance, ça sera à peu près pareil. En autonomie, à quelque chose près, 13,5 et 15, bah oui, tu feras toujours plus d'autonomie sur celle-ci, mais bon. Ça sera pas flagrant non plus, tu vas peut-être faire 3-4 km de plus. Après, c'est vraiment une histoire de design. Voilà, c'est vraiment une histoire de design. Mais les améliorations en tout cas, ces pneus bien ronds, le côté futuriste avec les LED autour des roues, le compteur en couleur, nouveau système de fermeture, donc il y a quand même quelques améliorations, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est ça aussi, c'est pareil, ça va être destiné
plus aux mecs qu'aux filles, mais je veux dire pareil dans les petites utilisations au quotidien. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, ça pèse 24-25 kilos, tu jettes dans le coffre, tu la sors, tu as juste à clipper le truc, bim bim, tu pars, tu vas à ton rendez-vous ou à ton travail, mais voilà, toujours pareil, pas pour des longs trajets. Donc ça, il n'y a pas de problème pour aller acheter le pain aussi, pour les mecs et tout. Surtout en bimoteur, même avec 83 kg dans la grosse montée, tu as vu que ça montait bien. Même la monomoteur, j'étais choqué, rien à voir avec celle-ci. Elle a quand même réussi à monter en monomoteur la grosse montée. Donc j'ose même pas imaginer en bimoteur, ça doit être quand même du régalade parce que tu montes quand même vite de 0 à 40 km/h. C'est pas non plus monstrueux, mais ça monte quand même, ça va, ça y va quoi. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit sur les trois modèles. En tout cas, un grand merci à Patcom et à Green Rider, qui est Green Rider aussi, à Patcom, pour l'envoi des trois trottinettes. Ça me fait plaisir parce que ça m'avait un peu, on va dire entre guillemets, attristé, qu'ils s'étaient pris un coup comme ça, qu'ils ont eu du mal à se relever, mais ils ont réussi, et c'est ça l'essentiel, donc ça fait plaisir, et là ils repartent sur le marché, ils veulent vraiment mettre le point sur les trottes homologuées, de petite taille, pour les petits budgets, pour les petits trajets, parce que c'est sûr que ils visent la plus grosse clientèle, donc les clients lambda, parce que c'est pas tout le monde qui achète des grosses trottes puissantes à 4000, 5000 euros. Ça, c'est certain, c'est que les puristes ou les passionnés. Donc voilà, il s'est mis vraiment à fond là-dedans pour l'utilisateur, le petit utilisateur de tous les jours. Et bon, ça fait plaisir parce qu'il revient donc en force sur le marché. Sur ce, comme d'habitude, l'équipe, un énorme merci à vous pour votre soutien. On n'oublie pas de partager, liker et surtout commenter la vidéo. Merci pour votre soutien. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait plaisir. Et je vous mets, comme d'habitude, les trois liens des trottinettes pour ceux éventuellement que ça intéresse et qui ont des petits budgets, qui veulent se faire plaisir en bimoteur ou en monomoteur pas cher et légère, très légère même. Et voilà l'équipe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On s'arrache avec les trois, bébé. Voilà. On part avec la One Wheel à l'ancienne, mais qui est quand même en bimoteur. Et que ça part bien plus fort, effectivement. Ciao les pipes. À bientôt, pipes.